Hey, salut à tous tout le monde, c'est Johnny Boy, on se retrouve sur Resident Evil Village, long des ombres de Rose, troisième épisode. Je crois que c'est comme ça on appelle les ombres de Rose, mais je suis pas sûr, tu vois. Bon, déjà, je vais juste réfléchir un petit peu. Nous avons récupéré la clé. Nous avons récupéré la clé qui indique clé à un œil. Donc si je me souviens bien, il faut passer par le parc et ouvrir la porte. Ok. Il y a aussi cette espèce de magie que j'ai récupérée, que je pourrais immobiliser les ennemis. Donc ça c'est cool. Mais je peux pas les tuer pour l'instant avec ça. C'est très dommage. Ah. Il va me donner quelque chose. Des munitions. J'essaie, mais en même temps, je suis poursuivi par un malade mental et sa bande d'épouvantails. Ouais, je peux pas tous les affronter. Et non, malheureusement, tu peux pas tous les affronter. Parce qu'il me reste 9 balles et je peux en fabriquer, mais... Ouais, c'est... Vas-y, j'en fabrique un comme ça et un petit... médicaments pour me soigner. Bon, ok, donc ça c'est bon. Si je me souviens bien, la porte elle doit être située par ici. Par contre, celle-là, ah, putain, elle est à l'envers quoi. Porte à un oeil au fond du sous-sol. Ah, bah voilà, justement, c'est par ici. Voilà. Normalement. Parfait. C'est ouvert. Tu dois être vraiment rusé pour être arrivé jusque-là. Malheureusement pour toi, il ne sera pas aussi facile de mettre la main sur le prochain masque. Oui, c'est ça, monsieur. C'est quoi ce bruit? Ok. Bon. Je peux pas marcher dessus pour le moment. Bienvenue dans la galerie du désespoir. Ici, vous pouvez admirer les quelques personnes ayant réussi à obtenir au moins un masque. Jetez votre dévolu sur ces quelques élus dont les derniers moments ont été immortalisés dans cette galerie. À travers cette collection, complétez la lumière de la vie sous un angle différent. Quoi? Oh putain la vache! Siglock, franchement. Putain de psychopathe! Ah, j'avoue! Oh. C'est vraiment le bloc! Oh merci! J'en aurais besoin! Ah merci! Au revoir! Attends. The fuck. Je venais de me moyer quand les flèches se mirent à siffler. Mais c'est pas par un nœud coulant que mon calvaire avait commencé, suivi d'une lame aiguisée transparent mon cœur brisé. Ok. Ok. Elle fait quoi elle? La corde? Ok. Elle, elle se noie. Elle, elle s'est fait trancher. Ok, donc. Ça marche. Alors, je venais de me noyer quand des flèches se mirent à siffler. Ok. Ok, la corde. Et l'alarme. Non? Enfin l'épée quoi. Attends, je viens de me mouiller quand des flèches se mirent à siffler, ok. Mais c'est par un nœud coulant que mon calvaire avait commencé, suivi d'une âme aiguisée transformant mon cœur brisé. Je crois qu'il faut le faire rapidement, je pense. Attends.
Ah bah c'est ça. Ok. Ok, bon, ça a marché. Mazel Tov. Et oui les gars. Il faut avoir un petit peu d'intelligence pour comprendre. Ironie, hein. Ici, je me rappelle bien, c'est une sorte de tunnel. Avec... Ah non, il n'y en a pas. Il y avait une grosse flaque de sang ici, je me rappelle ici. Ah, c'était une fontaine à sang, quoi. Mais là, je vois qu'il n'y en a pas. Bon, tant mieux en vrai. Par contre, qui me donne des munitions. Ça sent pas bon du tout. Le masque d'argent est dans la petite pièce du fond, j'y suis presque. Très bien. C'est abruti. Ok, ça va, on s'en sort. Ok, c'est cool. Ok, on s'en sort très bien. De deux, plus qu'un. Sur quelque chose d'interdit. Je crois que ce petit lapin chaparateur mérite une leçon. Là, il faut courir. Donne manger. Ok, je m'en sors très bien. Ici pour ça. Casse-toi. Putain, c'était close. Hein. Ah, il est vraiment stressant le jeu. Hein. Pas beaucoup de munitions, c'est compliqué. Hein. Ça, c'est un bon jeu survival, ça. Là, tu en sens le stress et tout, là, c'est... Ah, petit freeze. Attendez, est-ce que je vais me soigner en vrai? Vas-y, pour être sûr. Je vais pas prendre le risque. Bon, je vais m'occuper de lui, là. Casse-toi. Merci beaucoup. Oh, j'ai fait tout ça pour ça. Juste pour ce bouffon là. Non, c'est abusé les gars. Bon, c'est pas grave. Ah, on peut pas passer par là. Le masque.
Je l'aime, mais c'était chaud. Cet énorme monstre s'est pointé. Sans blague, je peux pas me battre contre un truc pareil. Je dis pas non à un peu d'aide. Merci, mais il nous en faut plus. Oh, un petit sauvegarde. Un petit point de sauvegarde. Mais on va continuer encore, parce que... 10 minutes, c'est pas suffisant. Ça amène... ça c'est beau, ça. Du coup, on peut passer par là. Ok. Normalement, il doit y avoir une base ici. Mais non, on n'a pas. Une plante. Ça, c'est bien. Une porte, ok. Ok, ok. La ferraille, on pourra pouvoir fabriquer des munitions, des fusils à pompe. Cartouche de fusil, ben voilà. Et ouais, mais bon, je vais pas passer par là, ouais. Je vais repasser par là. Petit puits sèche, en vrai. Hop là. Ok, donc, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Ça, il faudrait du liquide. Ouais, je peux en prendre un. C'est cool. Hop, il y avait un remède ici. Bon, ça, c'est pas grave, ça me fera deux. Du coup, je peux faire... cartouche de fusil. Ok. Oh, ça j'ai pas vu. Ça c'est cool ça. Grosse mémoire. C'est la baignoire de la dame. De la grosse dame. Ok, est-ce que je dois sortir maintenant? Ouais. Ça. Hop, ça dégage, contre-attaque. Il m'attaque même pas. C'est cool. Bon, ici. La clé entre, mais rien ne se passe. Ah, il faut deux trucs sur les côtés. Et j'ai pas. Ok, très bien. Alors, du coup, vu qu'on a récupéré ce masque, on pourra le placer comme ça, tu vois. Voilà. C'est cool. Il se passe quelque chose ou pas? Non. Bon, vu que j'ai trouvé le tableau. On pourra régler une énigme. Ça va être une casse-tête. Par contre, si je prends trop de temps, je vais couper le montage pour éviter de. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qui a marqué? Les prédateurs sont réunis face à leur proie démunie. Ok. Donc. Si j'ai bien compris. C'est de face à face alors. Donc... attends. Si je prends ça. Je mets ça là. Ok. Ça, je retire. Je mets la grenouille parce que le serpent, ça bouffe la grenouille. Si je mets les moutons. Non, le loup il bouffe la mou... non? Oui, il est face à leur proie. Non. Pourquoi ça marche pas? Il y
Est-ce qu'il y a un sens en vrai, genre un numéro un tableau présentant d'un papillon impossible de me détacher de son cadre. Eh bah c'est ça. Mais l'araignée, il bouge quoi lui? Ah, attends, je crois que j'ai compris. Alors, si on met la mono ici. Ok. Si on met l'araignée là. D'accord, donc ici, ça commence par là. Ok. Peut-être faut changer, attends. Ça. Ah, peut-être ici c'est les prédateurs de ce côté-là. Attendez. Ouais, c'est ça. Regardez. Normalement, c'est comme ça marche. Voilà. Ah putain. Il a créé ces puzzles pour me faire chier ou quoi? Ouais, j'avoue. J'aime pas les puzzles des fois. Dans les jeux comme ça. Ah, cette fameuse clé. L'emblème à trois yeux mène au succès bientôt. Le masque d'or te sera accordé. Thank you. Donc du coup, vu qu'on a la clé, on pourra récupérer la pampa. Regardez. Hein. C'est un Michael qui va me parler quand je rentre à l'intérieur de la cuisine. Non? Pas de nouvelles? Ok. Ok. J'ai la clé. Et voilà, on récupère le fusil à pompe, les gars. Ça devrait m'aider. Ah, j'avoue. Ça, par contre. Par contre, niveau d'espace d'inventaire, elle a pas beaucoup, moi. Vais en faire un comme ça. Et comme ça. Voilà, ça, c'est nickel. Ça, c'est chargé. Très bien. On peut passer par là ou pas? Que je comprends pas. J'ai couru. Peu importe. Voilà, j'ai trouvé ça. Ok. Là, on est dans la salle. Ouh, il y a le masque. Ah, attends. C'est un masque? C'est un masque. Je sais comment on pourra accéder. De l'herbe. Merci. Produit chimique. Oh, ça va être compliqué. Là, il faut trouver une solution pour passer. Ah, le fameux piano. Il me donne beaucoup de ressources quand même, hein, d'avoir un truc ici. Ah, je peux pas passer. Je peux pas tirer par là. Donc, on doit avoir. Moi, je suis mal placé, je pense. Pas comment je vais faire. En plus, on va continuer. On va voir qu'est-ce qu'on va trouver. Déverrouiller. Oh oui, je reconnais cet endroit. Non, je vais retourner à l'intérieur. Mais déjà, ici, comment
Non, je vais le faire. Non, je peux pas. Je peux pas. Comment je fais? Tac, 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 tac. Ouais, ça, je peux même pas le faire. Il est juste devant moi, mais je peux pas. D'avoir un truc en bas. C'est obligé. Ah, voilà. Est-ce que je peux le faire? Que c'est le dernier masque? Oui, mais le problème c'est que... Ah, ok. Autant pour moi, désolé. Ok, ça c'est bon. Oh les gars, tombez mort. Ferme-la, toi. Ok, il est mort. Touche pas. Sérieux, lui? T'as lâché un sprint? Ensuite, il faut retourner là-haut maintenant que le chemin est débloqué. Voilà. Là, j'entends une petite musique là, qui se le joue là, devant un ennemi. De bouffer énormément de munitions pour eux, quoi. Ouais. Ok, parfait. S'il y a quoi? Munitions, tuisier à pompe. Okay, c'est bon, c'est les cartouches. Maintenant, on va en bas. Je suis sûr qu'on va se taper un boss. Ah, ça m'a retiré un poids d'énergie sur le sur ses pouvoirs. Ah ouais, quand tu comptes en fait. C'est chaud. Je la sens pas celle-là. Voilà, cinématique, je la sens pas. Un boss. C'est bon. Si t'arrives. Quoi encore? T'es sérieux? Je suis où? Dans ton cuc. Non, je pense... Quel dommage. Tu étais à deux doigts et un cheveu d'obtenir ton prix de cristal. Je savais que la vraie rose serait pleine de ressources. Il serait regrettable de t'éliminer sans ménagement. Pourquoi ne pas faire durer le plaisir encore un peu? Allons, ne fais pas cette tête.
Je t'ai préparé une jolie petite distraction. Mmh. Tu vois tous ces sclérotes? La plupart ne sont que des leurs. Penses-tu pouvoir déceler les vrais? The fuck? Le temps presse, cher ami. Tic-tac, tic-tac. Tu vas te faire engloutir si tu ne te dépêches pas. Comment je suis censé les différencier? Raté! Il va falloir faire preuve de discernement, ma chère. Plus que 2 minutes, ce n'est pas le moment de traîner. Tu sens pas le tonneau? Que ça passe vite. Plus que 90 secondes. Fonde dans l'obscurité. Ça va alors. Tu fais fausse route. Ah oui. Oh, tu ne pas que c'est aussi facile. Il ne reste plus que 2 minutes. Tu ferais bien d'accélérer. J'en ai encore. Es-tu prête pour le grand final? Quoi? C'est fini. Alléluia. Bon, maintenant on peut se casser ou pas? Tu as réussi. Merci. Donc on est à combien de temps? Ok. Bon les gars, sans ce, je vous dis... bonne nuit ou bonne journée, on se retrouve pour le 4e épisode dans Les Ombres de Rose.